Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine pour ce quatrième dimanche de l'Avent nous offre le texte où l'ange Gabriel vient rencontre Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Et c'est quand même assez fascinant qu'à travers le temps, beaucoup de protestants ont une relation ambigu, je pourrais dire, avec Marie, au point où beaucoup de catholiques romains comprennent pas trop c'est quoi la position des protestants. Personnellement, une histoire que j'aime souvent raconter, c'est les gens qui me demandent, est-ce que tu crois en ça, toi, la Vierge Marie? Et je sais jamais quoi répondre. Je veux dire, je pense pas que c'est quelque chose auquel on peut croire comme croire au Père Noël. Je veux dire, elle a existé, c'était. Bon, en tout cas, on pense en tant que chrétien qu'elle a existé. Mais en même temps, on ne sait pas trop quoi faire avec cette histoire-là. Soit qu'on traite ça souvent comme une espèce de fable, de mythologie. De belles histoires qu'on aime bien raconter aux enfants et qu'on dit c'est pas vrai là, c'est ou d'autres vont y aller sur une interprétation très littérale. Ça s'est passé comme ça parce que c'est écrit dans la Bible. Et on dirait que c'est plusieurs personnes voient ça comme c'est un ou c'est l'autre. C'est historique ou c'est complètement inventé. Et d'une manière intéressante, j'ai trouvé un texte qui opposait une troisième voie sur est-ce que cette histoire-là, elle est vraie? Vraie, pas nécessairement dans le sens historique du terme, au niveau factuel, mais est-ce qu'elle parle des vraies affaires, si je pourrais prendre une expression bien québécoise, parce que elle parle de choses que les gens vivent. Parle de choses d'une jeune femme qui tombe enceinte. Jeune femme qui tombe enceinte et ça n'était vraiment pas planifié. Qui sait pas trop quoi faire. Parle de être confronté à des choix qui peuvent avoir des répercussions pour le reste de nos vies. Des choix ou des options qui peuvent mettre des personnes au banc de la société, ou du moins dans une position plus ou moins agréable pour le reste de la bonne société. Parle d'hommes et de femmes qui sont invités à participer aussi à ce monde, d'être en même temps comme les théologiens du process. Excusez, je ne connais pas le terme en français, là, d'être un peu co-créateur de ce monde-là. De pas juste de dire Dieu va créer, ou c'est nous qui créons tout, mais une espèce de travail commun que Dieu et les personnes peuvent travailler ensemble et il y a quelque chose de grand et d'immense qui peut sortir de tout ça. Les personnes qui ont aucune assurance face à leur futur. Un peu comme Marie, comme Joseph, et qui se disent, je vais faire confiance. Je vais faire confiance à la destinée, à la vie, à Dieu, peu importe, mais je vais faire confiance. Je n'aurai pas peur. J'essaierai pas de jouer safe. C'est ça aussi, cette histoire-là. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que c'est une histoire vraie, parce qu'elle parle de nous tous. À un moment ou d'un autre de nos vies, on traverse ces phases-là. On se pose des questions similaires, puis on attend pour des réponses. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine, pas nécessairement d'avoir des grands dilemmes comme ça, mais vous souvenir des fois que vous avez eu à affronter ces dilemmes-là. Ces choix difficiles. Comment que vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui vous a aidé vraiment? Ou qui vous a aidé vraiment? Et d'être peut-être attentif aux autres autour de vous qui peut-être passent à travers des moments difficiles.
des moments déconcertants et d'être à l'affût et d'être, si possible, partie de la solution. De pas juste juger puis dire c'est ça que tu devrais faire, c'est ça que tu devrais pas faire, mais qu'est-ce que je peux faire avec toi pour peut-être créer quelque chose de différent, des choses qu'on n'a même pas imaginées. Comment que je peux être en partenariat avec toi? Bonne semaine, portez-vous bien, faites attention sur les routes pour ceux et celles qui voyagent, et à très bientôt.